Bonjour à vous, ici Max Piccinini, coach, auteur, best-seller. Je suis arrêté ici dans un petit parc très sympathique en Suisse, pas très loin de chez moi, avec une vue très sympathique. Et je vais vous parler aussi aujourd'hui de tout ce qui est perte de poids. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir le grand secret que personne ne parle? Personne ne parle de ça, le grand secret pour la perte de poids. Et statistiques, j'ai vu ça hier, assez alarmante, ça explose au passage. Tout ce qui est obésité, surpoids, ça explose. Même en France, partout, c'est pas juste les États-Unis, 20% des adolescents en France sont, proches de 20% sont considérés obèses, pas en surpoids, obèses. Et 54% des hommes sont considérés en surpoids et 44% des femmes sont considérées en surpoids. C'est énorme, on parle de plus de la moitié. Et la plupart ont tenté des régimes, c'est pas qu'ils sont cons, c'est pas qu'ils manquent de motivation, pas du tout. Donc si vous êtes en surpoids, rassurez-vous, ici c'est pas pour vous dire c'est pas bien, etc. Comme la plupart des gens vous disent c'est pas bien d'être en surpoids, etc. Ou ça peut-être pour certains ça démontre un manque de motivation. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et beaucoup, je connais très peu de gens, en tout cas il y a très peu de gens sur Terre qui veulent ne pas perdre du poids. Tout le monde veut perdre du poids. Tout le monde va avoir un corps magnifique, je connais personne qui ne veut pas gagner plus d'argent et avoir un corps plus beau et en bonne santé en quelque sorte. Et si vous avez déjà tenté de perdre du poids, vous avez vraiment sûrement vu cet effet yo-yo, c'est que vous travaillez en surface. La plupart des gens font quoi? Des régimes, peut-être que vous avez fait un régime, mais ça c'est travailler en surface. Quand je forme des coachs chaque année à travers l'Excellence Coaching Academy, une des premières choses que je leur dis, c'est que la plupart des gens, que ce soit thérapeute, psychologue ou la plupart des gens même, travaillent en surface, ils ne travaillent pas en profondeur. Et donc on parlait de oui, tu veux perdre du poids, donc il faut que tu fasses un régime. Mais ça n'a pas marché. Est-ce que ça est basé sur la motivation? Donc ok, allez, résolution à nouvel an, je fais un régime, super, on perd du poids, on fait le régime X, Y, Z. Et puis qu'est-ce qui se passe? Dès que la vie devient à nouveau stressante, on reprend, on remange n'importe quoi, on arrête le sport, ça, et on repart. Et donc ça fait l'effet yo-yo. C'est pour ça que la plupart des régimes ne marchent absolument pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des régimes qui ne marchent pas. Déjà, il faut arrêter de penser en régime, il faut commencer à penser en habitude alimentaire. Parce que ce n'est pas juste parce que vous avez fait pendant un petit moment perte de poids. Ça, c'est complètement. Si vous changez votre alimentation, ça va le faire. Mais ça, c'est complètement du surface. Je pourrais vous dire ce que je mange des fruits et légumes. Maintenant, je suis devenu quasi vegan, je prends des œufs quand même. Est-ce que je prends parfois du poisson? Peut-être, oui, mais très rarement. Donc ça, c'est pas très important. Parce qu'il y a des gens qui prennent de la viande, qui ont un corps impeccable, c'est pas forcément très sain de prendre de la viande rouge, tout ça, ça a été démontré, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pas le plus important. Quand on parle de perte de poids, le vrai grand secret, écoutez bien ce que je vais dire, et ça, c'est pour les gens qui disent oui, c'est qui celui-là. J'ai accompagné plus de 130 000 personnes dans ma carrière, à travers plus de 25 pays dans le monde. J'ai quasi 25 ans, parce que là, c'est 25 ans maintenant, d'expérience et d'études sur le potentiel humain, de la science de la transformation. Tout ce qui a à voir avec la psychologie, la PNL, la neuroscience, le développement personnel, le coaching, tout ça j'ai étudié depuis 25 ans, j'en suis passionné. Et je peux démontrer qu'à travers des dizaines de milliers de personnes, de gens qui ont changé leur vie, des vraies transformations rapides et durables, pas quelque chose qui fait un yo-yo, quelque chose qui est durable, parce que ce n'est pas basé sur la motivation. La motivation ne marche pas. Ça vous aide peut-être à démarrer, ça ne vous aidera jamais à durer. Donc juste pour vous dire que des milliers de personnes, alors qu'ils ne sont pas venus pour ça, sont venus par exemple à mon séminaire phare Destination Réussite, qui est mon séminaire phare qui a changé la vie de dizaines de milliers de personnes, d'entrepreneurs, de dirigeants, d'avocats, de médecins. Et des gens ont perdu du poids. Alors c'est pas du tout, ils ne sont pas venus pour ça à la base, ils sont peut-être venus pour gagner plus d'argent, catapulter leur carrière, etc. Mais ils ont perdu du poids, ils ont mis un corps maintenant idéal, et ça c'est depuis des années maintenant. Alors qu'on n'a pas parlé de ça. Le grand secret, ce n'est pas essayer de travailler en surface, essayer de faire un régime à deux balles. Ça vient après. La grande clé, c'est avant tout vous comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comprendre votre schéma limitant. Qu'est-ce qui fait qu'émotionnellement vous soyez poussé à manger? Qu'est-ce qui fait que vous savez que vous ne devez pas prendre ce tiramisu? Ou ce deuxième tiramisu? Vous savez que vous ne devez pas prendre ce deuxième verre de vin et vous le prenez quand même? Vous savez que vous ne devez pas. Est-ce que vous êtes motivé à perdre du poids? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous le fassiez quand même? Qu'est-ce qui fait que vous mangez du sucre? Et qu'est-ce qui fait que d'un coup vous prenez, vous mangez plus et que vous devrez... Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas de sport ou peut-être que vous faites moins de sport qu'avant? Qu'est-ce qui fait que vous faites cet effet yo-yo? C'est que vous avez un schéma émotionnel limitant. Vous avez quelque chose qui tourne, qu'on appelle un schéma, c'est une sorte d'habitude inconsciente qui a été ancrée depuis l'enfance, entre l'âge de, en général, 3 à 7 ans. Et je ne vais pas rentrer en profondeur parce qu'il faut beaucoup de temps pour expliquer ça, typiquement ce que j'explique dans mon séminaire Destination Réussite. Mais en gros, ça comble vos besoins. On a tous des besoins de sécurité, d'importance,
de variété, de connexion. Et inconsciemment, ça vous connecte à des émotions passées. Peut-être que c'est avec vos amis, peut-être que c'est avec votre père ou votre mère avec qui vous tentiez de connecter, obtenir l'amour. Je fais une version courte. Mais qui fait que d'un coup, vous avez ancré un schéma totalement inconsciemment, peut-être à l'âge de 6 ans. Et d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes appelé à manger, à manger, à manger, à manger. Vous êtes en surpoids. Après, vous dites comme non, ça devient une sorte d'alarme. Vous voyez, c'est une sorte d'alarme maintenant qui vient. Ok, maintenant c'est trop, j'ai pris 15 kilos. Donc maintenant, je me mets au sport, machin. Vous prenez le régime, régime, hop, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai perdu 7 kilos, j'en suis fier de moi. Et puis d'un coup, le schéma est toujours là. Vous n'avez pas réglé la source du problème. Ce que j'explique à mes coachs chaque année, ce que j'explique dans mes séminaires, vous n'avez pas réglé la source du problème. C'est bien si vous rentrez chez vous, vous avez une inondation, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de gens, ils font, bah j'éponge. Non, vous ne voulez pas éponger. D'abord, vous voulez aller chercher la source du problème. Où est la fuite? Couper le robinet où vous avez oublié le matin avant de partir. Si vous avez le robinet qui a coulé encore. Et ensuite, vous pouvez éponger. Et la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils épongent. Au lieu de régler la source du problème, au lieu de couper le robinet. Et moi, c'est mon métier. C'est ma passion. C'est comment aller chercher cette source du problème. Une fois qu'on coupe le robinet, il n'y a plus besoin. Vous avez juste à éponger une fois et après, c'est réglé. Et c'est pour la vie. Parce que vous avez changé le schéma. Vous avez coupé le robinet. Et tant que vous n'avez pas compris votre schéma, tant que vous n'avez pas compris comment il s'est ancré, tant que vous n'avez pas compris comment le transformer, ça va durer. Donc si vous êtes vraiment le type de personne qui veut perdre du poids, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être arrêter de vous mettre en colère, des choses qui, vous voyez, typiquement qui vous poussent à faire des choses, après vous dites « Ah, mon Dieu, j'aurais pas dû le faire ». Et pourtant vous étiez motivé à le faire. Et d'un coup vous détestez, après vous dites « Vous êtes nul ». C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous n'êtes pas motivé, c'est même pas de votre faute en fait. C'est qu'un schéma a été ancré depuis l'enfance. Et un des rôles majeurs de tout le monde, c'est de détecter son schéma majeur. On a tous un schéma majeur limitant. Moi, je l'ai foutu en l'air. On en a tous plusieurs, mais on en a un majeur qui nous bloque. Et le jour où j'ai changé ce schéma-là, liberté. J'étais maître de ma vie, j'étais maître de mon esprit, j'étais maître de mon corps, j'étais maître de mes actions, parce que d'un coup, c'est moi qui dictais. C'était plus un truc inconscient qui tournait encore. Je sais que je ne devais pas le faire. Donc, apprendre à se comprendre. Connais-toi toi-même. C'est écrit en grand devant le temple d'Elphes en Grèce. Connais-toi toi-même. Ça commence par là. Et être bienveillant envers soi. Se comprendre, aller chercher son schéma limitant. Et ensuite apprendre la grande clé. Moi, j'ai passé ma vie là-dessus. Donc, si vous voulez que je vous aide avec grand plaisir. Et dans ce cas, venez à mes programmes et séminaires. Mon Dieu, ça va changer votre vie. Est-ce que vous allez mieux vous comprendre? Vous allez comprendre comment il s'est ancré ce schéma-là et comment vous pouvez le changer. En gros, c'est comme si vous pouvez changer votre programme. C'est comme vous pouvez, on va reprogrammer votre cerveau, reprogrammer votre esprit qui tourne. Vous allez installer le programme que vous voulez. Vous allez juste dire, ok, ce programme-là qui tourne depuis des années, qui ne m'aide pas, qui est un vieux système, un vieux programme qui tourne, on va s'en débarrasser et on va installer un nouveau programme, une mise à jour de votre système d'exploitation, si vous voulez, pour que d'un coup, automatiquement, j'opère comme moi j'ai décidé, pas juste basé sur le passé. Donc, si vous voulez vous débarrasser du passé, vous voulez vraiment devenir cette personne qui est en contrôle de sa vie, qui obtient des résultats extraordinaires, qui perd du poids pour du bon, pas basé sur la motivation ou basé sur un régime à deux balles, ça vous le ferez naturellement après, et basé sur vraiment une transformation rapide et durable. En ce cas-là, venez me rejoindre à mon séminaire phare, Destination Réussite. Ça, c'est le point de départ. Après, j'ai d'autres séminaires et programmes. Mais Destination Réussite est un point de départ. Donc, vous avez toutes les informations sous la vidéo, sur la vidéo, quelque part. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes vraiment sérieux et désireux de transformer votre vie à long terme, ça peut être perdre de poids ou autre chose, ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être avoir une meilleure relation de couple, ça peut être attirer un homme ou une femme parce que vous avez un auto-sabotage qui est à l'intérieur de vous. Vous devez reprogrammer. Et j'ai passé ma vie à étudier comment on peut rapidement reprogrammer ça. Et j'ai des milliers de témoignages qui le démontrent. Donc si vous êtes vraiment déterminé à transformer votre vie, alors venez me rejoindre à mon séminaire Destination Réussite. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires, avocats, chefs d'entreprise, entrepreneurs, leaders, médecins, mères de famille qui démarrent son business, son activité, indépendants, des gens qui sont des leaders, des gens qui veulent changer leur vie, qui veulent passer au niveau supérieur, qui veulent atteindre des plus hauts sommets, des gens qui ont ce désir ardent de changer, d'améliorer, de créer un impact dans leur vie. Donc ça vous parle. Vous êtes vraiment prêt à changer votre vie, alors inscrivez-vous maintenant. Vous avez les informations sous la vidéo ou sur la vidéo. C'est votredestinationreussite.com. Votredestinationreussite.com. Inscrivez-vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben faites-le, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être certain de recevoir les notifications. Partagez autour de vous, partagez à 3 personnes qui pourront en bénéficier. Et soyez certain de visiter le site votredestinationreussite.com et de saisir les dernières places qui restent, que ça se remplit toujours très vite et on est toujours complet rapidement. Bonne inscription et je vous dis à très vite. 3 jours pour transformer votre vie. 3 jours pour décupler votre leadership. 3 jours pour transformer vos finances et vos relations.
Inscrivez-vous maintenant au séminaire Destination Réussite.